parents martiniquais en 1897 à Cayenne, Gaston Monerville quitte la Guyane en 1912. Étudiant brillant à Toulouse, il devient avocat. Devant la cour d'assises de Nantes en 1931, il obtient l'acquittement de 14 Guyanais inculpés après la mort suspecte 3 ans plus tôt de Jean Galmot, un candidat aux législatives en Guyane. Ce procès des insurgés de Cayenne le révèle. Cette plaidoirie exceptionnelle où il en a profité pour dénoncer le système de la colonisation, les abus et la fraude électorale qui sévissaient en Guyane et qui avaient conduit à l'empoisonnement de Galmot. Ce succès lui ouvre les portes d'une longue carrière politique. Député radical de Guyane en 1932, il devient maire de Cayenne 3 ans plus tard. Il accède au gouvernement comme sous-secrétaire d'État aux colonies et obtient la suppression du bagne en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la Résistance. En 1946, il devient l'un des artisans de la départementalisation des Antilles, de la Guyane et de la Réunion. Après-guerre, le résistant est élu sénateur du Lot, puis président du Conseil général et maire de Saint-Céré. Pour Saint-Céré, ça a été la première station d'épuration des eaux, c'est lui qui l'a construite. Il a mis en place la mairie qui était là. Il s'est occupé, si vous voulez, à l'époque, des rencontres internationales que l'on avait, d'un vue musical, qui a débouché sur le festival de Saint-Céré. Rien ne prédestinait ce petit-fils d'esclave à 50 ans de vie politique, près de 22 ans à la tête du Sénat. Sa carrière s'achève au Conseil constitutionnel en 1983. Une plaque à son effigie est apposée le jour du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage au Sénat. Tout un symbole. J'étais un militant pour des idées, mais pas un militant pour des places ou la bagarre électorale. Je ne supporte pas la bagarre électorale. Ça vous étonne, hein? Et c'est vrai.